Je sais qu'il y a une scène, une image qui a de frais un peu la chronique de la petite avec sa tétine, et qui est commissaire, j'oublie le nom, tétine, commissaire tétine. Bon, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Moi, je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Mais c'est un temps où les gens font preuve quand même d'imagination. Moi, c'est surtout l'imagination, c'est le côté positif de l'imagination, d'apprendre déjà aux enfants à être ce qu'ils seront demain. Et pourquoi pas? Peut-être que la commissaire Tétine demain sera une grande responsable de notre police nationale. On ne sait jamais, c'est mon souhait d'ailleurs. Et donc, on voit des jeunes, moi, ça fait rire. Mais en même temps, c'est l'ingéniosité là. Bon, il y a des parents qui aident. Il y a des gens qui s'habillent en évêque. Il y a des enfants qui s'habillent en pape. Il y a des enfants qui s'habillent. Bon, plusieurs styles de déguisement. Moi, je trouve ça formidable. Mais il ne faudrait pas que cela pousse les parents à s'endetter, à pouvoir dire, bon, l'an passé, on avait le commissaire Tétine, cette année, c'est mon enfant qui va gagner, on va s'endetter, acheter des choses, et puis voilà, on passe à côté de ce qui était une fête simple de carnaval qu'on voyait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est ça. Il faudrait qu'on évite de glisser de l'autre côté où l'on fait des dépenses inutiles. D'accord.